Très bien, mais écoute. Iron Man, j'ai besoin de toi pour faire des vues, car tout le monde t'aime bien. Thor, j'aime bien ton marteau. Dans quelques années, je le porterai. Romanoff, on a besoin de toi pour pas être sexiste. Et Hulk, abonne-toi. Je vais m'abonner. Maintenant que la liaison neurale a été installée avec succès, j'ai accès à toute ma base de données. Le directeur Hill examine les protocoles SHIELD que vous avez également récupérés. Tu te sens mieux, Jarvis ? Tout semble être en état de marche. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi, pour le SHIELD. Merci, Bruce. Et merci, Kamala. Avec ça, je vais pouvoir commencer à reconstruire le SHIELD. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je pense qu'on va se voir beaucoup plus dorénavant. Avec plaisir, madame la directrice. Est-ce que je suis censée faire un salut ou... Non, ce n'est pas la peine. Bonne chance à tous les deux. Jarvis, tu crois que tu peux nous trouver Tony ? Il va me falloir un moment, mais je devrais pouvoir trouver Monsieur Stark. En attendant, j'ai trouvé quelque chose qui devrait intéresser Mademoiselle Khan dans la salle armes. Dans la quoi ? La machine de réalité augmentée holographique. Les Avengers l'utilisent pour s'entraîner. Wow, ça a l'air génial! Cependant, je préfère vous prévenir que le système risque d'être inconstant. C'est pas dangereux? Et oui, c'est bien moi! Bien sûr, et de 0. Bon, Thomas! On se retrouve pour la suite de Avengers Marvel! Alors, il y a eu un petit épisode en moins. Enfin, c'était juste une petite mission toute basique, hein, une mission, on a dû juste attaquer rapidement un bunker. Donc, il n'y avait pas de cinématique, c'est vraiment les missions qui se font dans le co-op. Donc, en fait, vu qu'elle était très buggée, j'ai eu du mal à la faire. J'ai dû appeler Fifrelin pour m'aider à la faire. Mais bon, voilà, normalement, aujourd'hui, le jeu fonctionne. Alors, du coup, faut qu'on aille à la salle ORM. Arm. Donc c'est la salle où s'entraînent les Avengers. Hop, les télé. De recherche Olympia dans le Nord-Ouest Pacifique. Ce que vous venez de voir est une vidéo floue filmée à partir d'un vieux. Une petite canette. Deux machines à soda. La deuxième a été installée à la demande de Monsieur Odinson. Elle sert de l'hydromel. Il y avait une inscription. Qui m'a raconté s'être réveillé dans son campement au milieu des. C'est là que les Avengers prenaient leur pause. Il reste peut-être du soda là-dedans. Ouais, peut-être, ouais. Il doit plus y avoir de bulles après 5 ans. Pas faux. J'ai du mal à croire que c'est réel. Un Quinjet vient de me déposer sur une base secrète du SHIELD. On a vu Nick Fury, et là, je suis en train de parler avec Jarvis. Et je Jarvis. Suis en train de perdre mon calme. Donc, en fait, donc, la mission avec le que, du coup, vous n'avez pas vu. En fait, c'est très simple. On devait juste aller réactiver une base du SHIELD, je crois, pour réactiver Jarvis. Je suis surprise que ce truc ait pu faire l'aller-retour depuis les archives sans problème. Les archives d'Olympia ? Ouais, c'est là qu'on t'a trouvé. Il en reste plus grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la zone de. De ORM ? Bonjour ? Je suis prête. J'active le processus. Il va nous faire. Bienvenue dans la machine de réalité augmentée holographique, où la pièce ARM. La pièce ARM est un simulateur d'entraînement au combat conçu pour permettre aux Avengers de perfectionner leurs capacités et compétences. Ok. Wow, quoi ? Voici ARM. Oh. La machine de réalité augmentée holographique. Point. Je peux pas m'envoler. De Monsieur Stark. J'espère que cela vous convient. Tu veux rire ? Je suis Iron Man. Gare à vous, méchant virtuel. Battez la vague en approche, aucun problème. Puip. Roulez, petite patate. Quant à toi là-bas. Excellent travail. Headshot. Esquive. Alors, oui. T'es esquivé. Esquive. Je suis. C'était admirable.
Ouais, ils vont me faire vraiment le tuto complet du jeu, quoi. Et bien là, hop là, hop là, saute mouton. Je crois. Bien joué. Et suivante, la suivante. Contrer, mais vas-y, je te contre. Hop là, allez, allez, vas-y, viens, viens, viens. Hop et viens, 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 viens. C'était admirable. Chut. Ah c'est, je peux m'envoler. Un bol de toi. Ah, il est mort. Accumulez rapidement l'énergie de sac avec ta cliché d'art rapide. Pas de soucis. Youhou. Boum. Ça fera l'affaire. Esquive! Hulkbuster capacité disponible! Héros volant, mais oui, t'inquiète, t'inquiète, regarde, je plane, je dessine. Plane. Tirez-moi dessus. Vas-y. Esquive. Et, vas-y, viens. Esquive. Bien joué. Silence. Battez la vague en approche, pas de soucis. Oh le patin, bien joué. Ouh, tir de sniper. Oh bah il en reste en dessous. Hop là. En bas de toi. Patate. Et là je suis comment? Parade. Et l'autre me tire dessus, hop. Oh, le percute qui s'est pris lui. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Vas-y! Je cherche le baston! Brumé! Prise, bitch! Hop là, je suis C18 moi. Non, c'est comment? C'est C16. Je suis C16. Rocket punch. T'inquiète pas mon gars, j'arrive. Tony est là. Vas-y, tire. Vas-y. Esquive. Wow. Que, tu dead zi. The arm. C'est fini? Oh, je veux recommencer! Si vous voulez. Cependant, je crois avoir localisé Monsieur Stark. Allons-y! Nous avons localisé Monsieur Stark. La dernière position connue de Monsieur Stark, ouais, est la maison de ses ancêtres, Acre Doré. Vous pourrez, d'accord, peut-être y trouver un indice sur l'endroit où il se trouve actuellement. J'en avais jamais entendu parler. La maison de ses ancêtres? Il n'a pas l'air de vouloir être retrouvé. Non, effectivement. La propriété est située dans une région reculée du Nevada. Je peux vous fournir ses coordonnées précises. Ah, c'est mieux si on veut le retrouver.
Docteur Banner, j'ai terminé les analyses que vous m'aviez demandées et découvert des traces résiduelles de radiation gamma dans une région isolée du nord-ouest Pacifique. Il semble que Madame Rapacini se serve de vos recherches pour réaliser des expériences. J'ai marqué l'emplacement sur le terminal. Torto Ninja ! Série de missions emblématiques disponibles. Ah oui, ok, ça c'est les missions du multi, ça. Je vois. Ouais, suivi. Ouais, je vois. Par exemple, ça, c'est emblématique, c'est ça. Voilà, sélectionné. Mais nous, on va faire du solo. Alors. Moi, je sais c'est quoi la mission que tu dois faire. C'est ça. Thomas et Bruce partent en direction du vieux manoir des Stark. Acre doré pour trouver Tony Stark. Parfait. Let's go. Est-ce que je peux jouer Hulk? Ah merde. Bon bah je vais jouer Kamala. Hein. Tant pis. Je préférerais jouer le gros monstre vert, mais bon. Pont-levis là-bas. Ah mais étant donné qu'il est pas transformé, peut-être que ça l'aurait pas fait. Dans toute sa subtilité. Exprès, enfin je pouvais pas choisir. Yeah. J'arrive pas à croire qu'on va frapper à la porte de Tony Stark. Bah vu dans l'endroit où il est, à mon avis, il doit pas être. Les commandes sont de l'autre côté. Il doit pas être très gentil actuellement. Tu peux trouver un moyen de traverser. Oh bah oui. Ouais, fracasser ces rochers. Ouais mais ça ferait. Mais le grand gaillard n'est pas très doué pour discuter. C'est vrai. C'est pas faux. Merde, ça passe pas là. Ah oui d'accord, je l'avais pas. Je comprends pourquoi t'aimes ça. Arrête un peu. Oui. Alors, c'est quoi le mieux quand on est Hulk? Doit bien y avoir des avantages. On devrait vraiment se concentrer sur le pont-levis. Tu comptes faire quoi? Rester là sans rien dire tout le long? Ouais. Et vu que je débloque des trucs autour. Voilà. Bonne idée. Dès que je trouve des trucs. De chance de trouver des choses de meilleur niveau. Yo! En dehors des rochers? Pas de problème. Ah bah ça c'était sûr. Ok. Oui! Lara Croft! Est-ce que ça va? Je vais bien. Je peux voir Acre Doré. Ah, j'ai vu qu'ils vont faire une série en plus avec Miss Marvel. Série Disney Plus, là. Je m'en occupe. Je peux sauter par-dessus. Juste un peu plus loin cette fois. Ah, oui, d'accord, là faut faire le grand saut, ok. Kawabunga! Et voilà. Toujours pour le pont, Kamala. Ok. Voilà. Il lui faut un peu de jus. Un peu de jus de fruits. Tu as pas mangé d'orange? Calme-toi, beau boulot. En fait, il s'est caché reclus parce que, à mon avis, il est recherché, un truc comme ça. Ouais, la numéro 4, je crois. Wow. Je me demande si Monsieur Stark voudra bien me laisser conduire une de ses voitures. Pas dans Red Dead Redemption. Marston. Ça peut pas être ça. Oui, il vit dans le. Ah oui, mais en fait, il est en dépression, Stark. Donc Tony Stark, le grand Tony Stark, vit ici. Eh, on dirait bien. Bonjour, Tony. Salut, Bruce. Bonjour, monsieur Stark. Mal dormi?
Oh, depuis 5 ans. Au moins, t'es au calme. Je l'étais. Je... Oh, hey, mais arrêtez! Oh, désolé. T'es qui, toi? Kamala. Eh ben, Kamala, ton ami aux yeux verts n'est pas le bienvenu chez moi. D'accord. J'aurais pas osé mettre une patate à Hulk, hein, perso. Je l'ai mérité. Ouais, tu mérites même bien pire que ça. Les Avengers sont-ils un danger pour la société? C'était la question, Bruce. C'était ça, la question. Est-ce que tu as étudié les données? Les données scientifiques. C'était un piège, Bruce. Non. On s'est fait avoir. Le réacteur Terrigène était instable. Mmh. Et tu le savais. Tu le savais et tu l'as quand même exhibé devant le monde entier. Et donc quoi? On abandonne? On n'a pas abandonné, Tony. On a échoué. Moi au moins, je peux l'admettre. Non. On aurait dû le sauver. Ah, moi, je suis d'accord avec Tony. Hein. On aurait dû. Tony, j'ignore combien de temps tu vas m'en vouloir pour ça, et pour être honnête, je m'en fiche pas mal. Prends le temps que tu voudras. Mais cette fille est inhumaine. C'est notre faute. Et elle a besoin de toi. C'est votre faute que maintenant j'ai des super pouvoirs. C'est vraiment méchant. Je ne peux pas, je peux pas. Comment ça? Tu me laisses tomber? Eh, ne le prends pas personnellement, tu sais. Non, il est juste comme ça, tu vois. Mmh. Et regarde un peu autour de toi, hein. Tu sais le combat Hulk Iron Man, il va péter un câble. C'était une erreur. Là, au moins, on est d'accord. Et donc quoi, vous allez rien faire du tout? Les Avengers ont été piégés. Cap s'est fait tuer. Oh, mon cœur. Tu crois que je le sais pas? Hein? J'ai repensé à cette journée des milliers de fois. On blâme les Avengers malgré tous les gens qu'on a sauvés. Et ce salaud Tarleton s'en sort. Et il est blanc comme neige. Et devine quoi? Devine quoi, tous ces gens? Ils s'en fichent. Fallait rejeter la faute sur quelqu'un. Et lui, il a désigné des coupables. Donc, à moins que vous ayez une preuve irréfutable, je vous suggère de vous tirer d'ici. C'est quoi ça? Preuve irréfutable. J'espère qu'elle vaut le coup. Vous m'avez fait mariner. Vous pouviez m'en parler plus tôt. Non, non, non. Pas sur mon canapé. T'es pas pardonné. Où est-ce que t'as eu ça? J'ai deviné votre mot de passe sur un bloc de la Résistance. Incroyable. Votre mot de passe, c'est « Je suis Iron Man ». Vraiment? Je l'avais pas changé. Bordel de merde. Je sais, il manque un bout. Il y a tout un dossier sur le serveur de l'AIM. Non, non, il y a autre chose. Quoi? Ouais, regardez, c'est malin, ils l'ont encrypté pour qu'il ait l'air corrompu. Hmm? Dans quelques heures, on aura la suite. Ah. La suite du film. Qu'est-ce que... Qui c'est cette ballerine? Oh non. Oula. Il faut qu'on fiche le camp. Oula. Ils vont se faire attaquer. Quoi? Tu connais déjà cette fan de casse-noisette? Oui, elle m'a aidé à Jersey. Heureusement qu'elle m'a prévenu pour l'AIM. Vraiment? La ballerine? Il faut vraiment qu'on y aille. Maintenant. Bon. Allez, sors ton armure, Tony. Ok. Il faut que je m'habille. Ouais. T'as une armure? Oui. Enfin, peut-être. Peut-être. On verra. C'est-à-dire quoi, peut-être? Excusez-moi, je vais aller enfiler quelque chose de moins confortable. On joue Tony Stark. Point, 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 point. Ah, c'est là que j'ai laissé mes bottes. Bottes. Ça va être une armure... genre la première armure, là, tout en argent. Elle est trop belle, celle-là. Ah. Mars
Marston! Essayez de me refourguer la gamine rebelle. Après tout. John Marston! Oh, oula! Bon, on dirait que la ballerine avait raison. Ah. Voilà. Les gants! Voilà. Quoi ça? Arrête de me juger, grand-père. Je fais de mon mieux. D'accord. Un coffre! Avec un comics de la nanite des ennemis et des unités. Volante de grand-mère. Toujours resplendissante. Comme son inventrice. Et bottes! Prenons un peu de hauteur. Il est pas beaucoup protégé avec tout ça. Encore des troubles faits. Bonsoir. Hey, salut les gars. Oui. Stylé. Oh putain non, excusez-moi, Je ne vous avais pas vu. Wouhou. Il est ça. Non, je peux voir le truc. Non, encore. Mon bon vieux temps. Entre à la casse. Besoin d'un casque. Ah, grand-oncle Rob, le héros de guerre. On s'en tape. On s'en tape. Okay. Ok, il devrait être par là. C'est ça le casque. Heureusement qu'il n'y a pas de voisin. Il serait un peu contrarié sinon. Dégueulasse le casque. Oula. Oh le Queen Jet. Vous qui aimez les entrées fracassantes. Ah non, c'est pas le Queen Jet. Vous me donnez combien? Je te donne 7 sur 10. C'est plaisir de te voir, George. T'as fait de la muscu? T'as volé d'autres sociétés milliardaires? Seulement la vôtre. Hé, tu vas payer pour cette fenêtre, Dalton. Donc c'est ici que vous habitez maintenant. Je m'attendais à voir plus de miroirs. Je me suis débarrassé de tout ce qui m'apportait pas de la joie. Devine dans quelle catégorie tu es. Livrez-moi la fille, Stark. Ensuite, tu me ficheras le camp d'ici. Monsieur Stark. Je plaisante, vite. T'éloigne pas du gentil bonhomme vert. T'éloigne pas du gentil bonhomme vert. Point, 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 point. À mon avis, elle s'en sort très bien. Les inhumains sont malades. Ils doivent être soignés. Je peux faire. Est-ce que les gens avalent ça? Je peux faire une kill-cam. Il pète les jambes et on lui explose le cœur. Comment Tarleton contrôle-t-il ces machines? Je sais pas, il a reçu des pouvoirs après l'accident. Je l'ai vu contrôler une araignée robotique une fois. Oh, on peut faire bien mieux que des araignées maintenant. Alors on va détruire toutes les unités en l'air. Esquive! Franchement, je m'étonne de vous voir réunis à nouveau, Banner et vous. Eh ben, mon cher Bruce et moi-même voyons quelqu'un pour régler nos soucis. Elle est géniale, petite, extensible et très douée pour deviner les mots de passe. Ah ouais? Hop là, j'annule ton bouclier. Supercute. Ok, je vais bientôt avoir mon nouveau tir avec le rayon là. On a un problème aérien. T'éloigne pas de Hulk. Oh putain, merde. T'approches pas trop non plus. Non, je vais me débrouiller. Regardez. Attends, t'es pas prête pour. Ou peut-être que si.
Ah, j'aime bien faire les tirs de répulseur là. Vous avez choisi un camp dans un combat dont vous ignoriez. Oh merde. J'ai choisi mon camp. Oh la merde. T'es arrivé et tu m'as forcé la main. Donnez-moi la fille. Et ensuite, vous et Banner pourrez bien faire ce que vous voudrez. Je crois pas, non. C'est exactement ce que j'avais. Ah ouais. Bouffe ça. Attention, ça brûle. Esquive. Esquive. Hop, un qui est une petite cam. Stylé. Attention. Vous avez entendu le témoignage du docteur Banner, Stark. Les Avengers étaient dangereux. Ce n'est pas moi qui ai ordonné votre dissolution. C'est tout. Rien d'autre dans la culotte. Attendez, attendez, on a des points de compétences, les gars. On a des points de compétences à mettre. On va se les mettre. Alors. Ok, donc ça c'est maintenir, ça je l'ai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Maintenez. Ok, ça c'est un dragon. Donc vous êtes en l'air. Ah ouais, ça c'est plus stylé, hein. Ah oui, c'est vrai qu'après on peut jouer avec les lasers. Ah oui, donc en fait Iron Man il a plusieurs spécialités, enfin il a plusieurs stands de combat. Soit il se bat en répulseur, en laser ou en roquette. Évidemment après on peut changer entre chaque combat, on peut vraiment changer tout ça. Moi je vous avoue que j'aime beaucoup moi les répulseurs. Ah ouais, ça c'est super stylé aussi ça. Ah oui, lorsque vous sprintez c'est comme dans Avengers 2 ça, quand il court. Pouf, il fait exactement la même action dans Avengers 2. Ouais, je vais prendre l'esquive. J'aime bien l'esquive là. Allez. Tout ça pour moi. Oh, ne vous surestimez pas. Ça ne me demande aucun effort. Alors la gamine a raison. Ah, merde. Tu contrôles l'esquive. Les robots par la pensée. Hop. Bien joué, petit. Kamala. Ah, j'ai plus d'énergie. Ouh. Ah, j'ai plus d'explosion. Yves. Ah, j'ai repris encore un point de compétence. Ah, ça, on charge son... Ça, on charge ses répulseurs. Ne fixez pas la lumière, les enfants. Je vais péter ses armes. Ça c'est stylé. Vous devriez écouter la logique et la raison. C'est un peu tard. Oh, pas content. Voilà, voilà, Tyrine qui l'a, toi. Comment te sens-tu? Au mieux de ma forme. Ah. Vos synthétiques n'ont servi à rien. Si vous m'aviez laissé m'occuper de Hulk et de Khan, les archives seraient toujours là. Un peu de respect. Ce n'est plus vous qui commandez, c'est lui. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé. Ouais, elle va le contrôler avec un truc électrique là. Dans la forêt, près de notre ferme. Quoi? Mon père disait que c'était trop dangereux. Il m'a dit de m'en débarrasser. J'ai nourri ce loup. Je lui ai donné un nom. Je le regardais jouer avec mon chien adoré, Darwin. Vous me faites perdre mon temps. Je pensais qu'en instaurant des règles, des limites précises, ouais, je pourrais maîtriser la puissance de la bête. Vous avez fait bête. Presque. Oh. Quelques mois plus tard, à la chasse. C'est l'abomination quand même, hein. C'est un Hulk. Hein. S'est retourné contre moi. Il grognait. Ah oui. La bave à la gueule. Darwin s'est battu et m'a donné du temps pour rappeler de l'aide. Stop! Mon père a tué le loup, mais il était trop tard. Darwin avait été réduit en morceaux. George, on a besoin de lui. George. George de la jungle. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va devenir le vrai Modo qui va avoir la grosse tête. La grosse terrine, sa grosse fosse.
Ah, quand même, je suis sur le cul. Le mec, il contrôle l'abomination juste avec son petit chaise volante, là. Abomination, quand même. Jarvis, tu n'as pas pris une ride. Ravi de vous revoir, monsieur Stark. Ah, bah, c'est rasé, en plus. Ça roule comme tu veux. Je suis en parfait état de marche. Bon, fais-moi un débrief. Le chimère fonctionne grâce à l'alimentation secondaire. Je détecte des dégâts critiques sur la coque. Les moteurs sont désactivés. Le climat... Ok, donc ça va mal. Ouais. Cette affirmation est exacte. Bon, il va falloir faire décoller ce tas de ferraille. Pardon ? L'AIM sait qu'il est ici, donc on doit le déplacer, avant qu'ils arrivent. Quoi ? Bon, pendant qu'on fait un peu de ménage, tu pourrais t'occuper de quelque chose pour moi ? Bien sûr, monsieur. Peux-tu essayer de décrypter ce fichier ? Tout de suite. Captain Rogers ? Iron Man est maintenant disponible dans la sélection des héros. Turbines ne s'activent pas. Oh, c'est cool. Je devrais aller contrôler les noyaux déclencheurs dans le hangar. Ça, c'est cool. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour notre épisode et puis on va se retrouver au prochain. Alors, prochain, je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais en tout cas, on verra. Allez, à la prochaine !